Et on va parler Noël cette semaine dans Marquez-moi avec Fanny Appiette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing France de Coca-Cola et on va parler avec vous de la dernière campagne de Noël de la marque. Avant de la regarder, moi j'aimerais bien que vous définissiez un peu le rapport qu'entretient Coca-Cola avec la fête de Noël. Est-ce que c'est un rapport particulier quand même ? Alors c'est un rapport très particulier, je dirais même que c'est une belle histoire, c'est une histoire de longue date. Pour rappel, en fait, on a introduit le premier Père Noël dans les campagnes Coca-Cola il y a maintenant plus de 100 ans, c'était dans les années 1920 en France. Donc c'est une association entre le Père Noël et Coca-Cola que je qualifie moi personnellement de évidente parce qu'elle est tout simplement autour de valeurs qui sont communes, autour de la solidarité, du partage, de la générosité et bien évidemment de la magie. Et la magie des moments ensemble, ça fait partie nous personnellement de l'ADN de Coca-Cola depuis le début. Et j'ai envie de dire, on est en train de le vivre aujourd'hui, il n'y a rien de plus propice que la période des fêtes de fin d'année, justement pour insuffler tout cet esprit positif, cette joie de vivre du coup avec Coca-Cola et les fêtes. Alors justement, on va la regarder tout de suite. Voilà, cette campagne a libéré le Père Noël qui est en vous. Alors, c'est une campagne très proche des gens. On rentre dans le quotidien, dans les maisons. C'est cette proximité avec le consommateur que vous cherchez à cultiver avec des campagnes comme celle-ci ? Alors, c'est complètement ça. Alors, déjà, il faut savoir que chaque année, on a une campagne qui est incontournable, qui est propre. Donc, cette année, comme vous venez de le dire, c'est ce message très fort, libérer le Père Noël qui est en vous. Moi, personnellement, je trouve que c'est un message qui résonne beaucoup, tout simplement, par le simple fait qui nous rappelle déjà qu'il y a du bon en chacun de nous. Donc je trouve que déjà, ça ne fait pas de mal. Il y a un Père Noël qui sommeille en chacun de nous. Et ça remet un peu au centre des choses et ça nous rappelle l'importance, en fait, de faire du bien autour de nous et que finalement, ce bien commun, il dépend, donc ce bien commun, cette ambiance que l'on crée autour des fêtes festives, joyeuses, il dépend de chacun de nous et des gestes, en fait, et des bonnes actions qu'on va faire dans notre quotidien pour autrui, qu'elles soient petites ou grandes. Donc voilà, ça remet l'être humain au centre des relations humaines, au centre de cette magie ensemble et finalement, cette joie de vivre qu'on peut communiquer pendant les fêtes de Noël ne dépend que de nous et du Père Noël, justement, qui sommeille en nous. Quels sont les objectifs quand vous faites des campagnes comme ça tous les ans? Parce que j'imagine que ce n'est pas les ventes, on ne boit pas plus de Coca-Cola à Noël, j'imagine. Donc c'est quoi? C'est la noto? Qu'est-ce que c'est? J'irais dire, c'est beaucoup plus loin que la notoriété, parce que la notoriété de Coca-Cola en France est établie. Oui, elle est déjà élevée. Donc. Mais c'est encore une fois de participer à cette magie des fêtes et d'insuffler en fait tout cet esprit positif qui nous fait du bien quand même pendant cette période-là. Il faut quand même se le dire, on est en train de le vivre. Il fait froid, il fait nuit tôt, il ne fait pas forcément très bon. Et en fait, d'insuffler tout ce positivisme et j'ai envie de dire cette petite
parenthèse autour de notre ADN qui est la magie des moments ensemble. C'est ça en fait notre véritable objectif en termes de communication. Fanny, vous avez mentionné en tout début d'interview l'esprit de solidarité, oui. Et je crois qu'en parallèle de cette campagne, vous avez un engagement assez fort avec la Croix-Rouge. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de ça ? Donc déjà, il faut savoir qu'en France, avec Coca-Cola, on a cette responsabilité sociétale. Donc on est en partenariat avec de nombreuses associations caritatives tout au long de l'année. Oui. Pour les fêtes de Noël, c'est encore plus fort pour nous. On est en partenariat du coup avec la Croix-Rouge en France. Il faut savoir que d'un point de vue mondial, on est en partenariat avec la Croix-Rouge depuis 1917. Mmh. Donc c'est aussi une association comme le Père Noël de très longue date. Oui. Et donc, plus précisément pour la Croix-Rouge en France, donc c'est une opération qu'on a renouvelée, qu'on avait aussi faite en 2022. Elle est autour de deux initiatives. La première, c'est un don financier de Coca-Cola pour soutenir l'initiative des paniers festifs de la Croix-Rouge en France. C'est tout simplement, en fait, ça permet tout simplement d'apporter des denrées alimentaires plus exceptionnelles au sein des paniers, on va dire, traditionnels alimentaires. D'accord. Donc, encore une fois, ça participe justement à apporter cette magie à table au maximum de Français. Et on fait aussi un don de nos produits. On donne 20 000 bouteilles en verre de Coca-Cola sans sucre pour justement aussi ces paniers festifs. Alors, la communication de Coca-Cola est sur plusieurs leviers. On a parlé de la campagne, mais il y a aussi une troisième opération simultanée qui est que vous invitez les consommateurs à concevoir des cartes de vœux digitalisées à l'aide d'une IA sur le portail qui s'appelle Create Real Magic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette opération un peu originale? Tout à fait. Donc on a un dispositif d'envergure pour cette campagne des fêtes de fin d'année, un dispositif 360 degrés dont, si vous voulez, on pourra revenir plus en détail aussi. Et il est très important pour nous de ne pas seulement proposer, j'ai envie de dire, du contenu publicitaire où finalement nos consommateurs sont spectateurs de ce, oui, c'est très vertical, ce contenu-là, voilà, mais du contenu des expériences digital en utilisant justement l'intelligence artificielle, parce qu'on a cette volonté d'un point de vue mondial d'avoir cette transformation numérique, donc vers plus d'expériences digitales. Mm-hmm. Et donc on a créé depuis mars cette année cet outil hébergé du coup sur notre portail web, que comme vous l'avez dit s'appelle Create Real Magic. Il y a deux initiatives, donc il y en a une qu'on a créée en mars, mais si vous voulez, je vais plutôt vous détailler celle des fêtes de fin d'année, qui dépoussière les cartes de vœux. En fait, je pense qu'on a tous fait des cartes de vœux. Aujourd'hui, on connaît les cartes de vœux digitales. Aujourd'hui, on va venir personnaliser ces cartes de vœux. Pour moi, personnellement, je vois l'intelligence artificielle comme le nouvel outil de personnalisation. Mm-hmm. Donc, en fait, on dicte à l'outil les mots de notre choix, la carte de vœux que l'on souhaite. Et en fait, l'outil va venir composer la carte de vœux en se sourçant des archives de Coca-Cola. Donc, je vous disais, ça fait 100 ans qu'on fait des communications, donc on se retrouve avec des créations complètement originales que vous pouvez voir notamment sur Internet, sur LinkedIn, sur plusieurs réseaux sociaux, de compositions originales jamais vues et qui sont uniques pour chacun des consommateurs. Merci beaucoup Fanny Appiette. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing France de Coca-Cola. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat sur Bsmart.